Bonjour, je m'appelle Maria Givoni, je suis la chef de projet de la filière maladies rares endocriniennes Firondo, animée par professeur Jérôme Bertera, chef de service d'endocrinologie de l'hôpital Cochin. On est une des filières, de 23 filières maladies rares qui ont été les mesures phares de plan national maladies rares 2. Comme toutes les autres filières, nous essayons de regrouper dans un réseau tous les acteurs impliqués, dont, à l'occurrence pour nous, les maladies rares endocriniennes, à savoir les centres d'expertise clinique, centres de compétences aussi bien que centres de référence. Mais nous essayons aussi d'engager tous les autres acteurs dans une réflexion collaborative et communautaire, comme bien sûr les associations de patients, les laboratoires de diagnostic, les unités de recherche, les sociétés savantes et les acteurs du secteur médico-social. Concrètement, la filière Firondo regroupe 6 centres de référence, 3 parisiens, 1 angevin, 1 lyonnais, 1 marseillais. Nous regroupons 23 centres de compétences qui font un maillage territorial bien consistant. Et pour le moment, nous sommes fiers de regrouper autour d'une vingtaine d'associations de patients en nos seins. Concrètement, nous démarrons à peine de moins d'un an, comme les autres filières. Nous essayons de surtout informer sur les maladies rares à travers les outils différents, surtout la sensibilisation des médecins traitants, la diffusion d'informations à travers le site internet et d'autres outils numériques ou interactifs qui nous permettent d'établir, de diffuser l'information de manière plus claire et lisible. Nous essayons d'améliorer le parcours patient en facilitant un peu l'orientation des patients aussi bien que des professionnels dans le système de santé et surtout autour de maladies rares. Et pour finir, nous essayons justement d'améliorer la surveillance épidémiologique impliquant les maladies rares en France. Nous sommes ici au Congrès RARE 2015 parce que nous essayons aussi de nous montrer, de nous afficher, de nous faire connaître auprès de tous les autres acteurs et surtout les industriels qui sont encore impliqués dans nos réseaux.